Bonjour Sophie Ménestrel. Bonjour Benoît. On se retrouve aujourd'hui devant l'étal du primeur pour parler d'un légume de plus en plus consommé, il me semble, c'est le brocoli. Tout à fait. C'est pas un légume qu'on consomme depuis très longtemps en France, puisque en fait, il n'est exploité et produit en Bretagne que depuis les années 80. C'est ça, c'est récent, le brocoli. C'est très récent en France. C'est bon pour la santé de manger du brocoli? Tout à fait. Alors d'abord, c'est très facile à consommer au niveau du goût, parce que c'est un goût très doux. C'est un légume qui est assez croquant. Mais c'est surtout un légume qui est très dense en micronutriments, vitamine C et E notamment. Et avec un apport en fibres qui en fait l'un des partenaires santé de votre assiette. Bonjour Monsieur le Primeur. Bonjour. Comment on choisit un bon brocoli? Bah écoutez, il faut que le brocoli il soit bien fermé, parce qu'en fait le brocoli c'est plein de petites alvéoles. Il faut qu'elles soient bien serrées, qu'ils soient bien verts et bien compactes. En fait c'est comme une fleur, et on dit que le brocoli il fleurit, et quand il fleurit c'est qu'il est plus consommable. J'ai eu un chef, Yoni Saada, qui était un des finalistes de Top Chef, lors d'un atelier culinaire, qui m'a donné une petite astuce. Vous retournez et vous regardez la tige, et si vous voyez qu'il y a un petit trou, c'est pas très bon signe, ça veut dire que l'air est passé et a desséché de l'intérieur votre brocoli, donc il est un petit peu vieux et il sera donc moins goûteux et moins tendre. Voilà, on regarde la tige et ça donne de précieux indices pour bien le choisir. Tout à fait. Des petits conseils pour le cuisiner? Vous allez pouvoir le faire à la vapeur, vous allez pouvoir le faire à l'eau bouillante et même à la poêle si vous le faites sauter avec un petit peu d'huile d'olive, ça fonctionne aussi très bien. Mais il faut savoir qu'au niveau des mariages, ce qui marche bien, c'est le côté acidulé. Donc vous allez le marier par exemple avec du citron de manière très agréable. Un des avantages du brocoli, c'est que ça se cuisine très rapidement. 5 minutes à la vapeur, 7 à 10 minutes à l'eau bouillante et 6 à 8 minutes si vous utilisez votre micro-ondes pour les plus pressés. Voilà, il n'y a plus de mauvaises excuses pour ne pas manger de légumes. Exactement. Merci beaucoup Sophie, on retrouve toutes vos recettes et tous vos conseils sur votre site terroirdechef.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Benoît.